Ils étaient nombreux autour du roi Ngombwala Narcisse. Les grands vassaux du royaume Teke se sont réunis en conclave ce dimanche 6 février 2022 à Ipo, siège provisoire du roi, pour statuer sur les problèmes qui agitent le royaume Teke. À cette occasion, les groupes de danse traditionnels ont été invités pour battre le tam-tam en vue de réveiller les esprits et dire merci à l'esprit titulaire, le Kwembali, qui a fait échouer le complot préparé par les fossoyeurs du royaume contre Sa Majesté Narcisse Ngombwala ce samedi 5 février 2022. Au cours de l'entretien des grands vassaux, il a été constaté que le pouvoir du roi Ngombwala se renforce malgré les attentats et les déclarations de guerre. Ils ont souligné le fait que les Teke sont des hommes de paix et n'ont jamais accepté l'effusion du sang. Aussi, ils ont demandé la participation de tous les Teke à la protection de la culture ancestrale qui est menacée par les fossoyeurs et les assoiffés d'argent. Ils ont évoqué un phénomène survenu à Impo il y a une semaine, au cours duquel on a vu les chiens aller chasser du gibier pour le roi Narcisse Ngombwala. Après les déclarations du roi, de Nganzion et de Mwanga, la cérémonie a pris fin dans une allégresse totale.